Salut à tous! Bon alors cette semaine, mauvais temps, enfin c'est la seule belle journée qu'on a. J'ai profité du mauvais temps pour laver un peu le matériel. Donc j'ai dégrossi le tracteur, il passera au Karcher et puis à la mousse savon cet après-midi ou demain. J'ai dégrossi avec mon surpresseur, enfin pas au Karcher, mais au surpresseur, la tonne en entière. Voilà, ainsi que la rampe. Je ne l'ai pas lavé entièrement ni au savon pour l'instant parce qu'elle n'a pas encore tout à fait terminé sa campagne. S'ils annoncent un petit peu meilleur dans les d'ici décembre, il y aura peut-être certainement un petit peu d'épandage à faire sur des engrais verts. Donc à voir, à confirmer. Bon, toujours est-il que je ne vais pas la laver entièrement pour l'instant parce que je vais certainement encore m'en servir. Mais toujours est-il que je l'ai dégrossi un maximum. Vous voyez, elle est déjà pas mal propre. Voilà, déjà pas mal propre avec le surpresseur et la lance au bout, ça dégage déjà fort. C'est surtout pour enlever tous les amas de terre qu'il y avait partout sur la flèche, etc. Parce que les derniers épandages que j'ai fait, bah forcément, il n'avait déjà plus, donc ça collait pas mal. Mais qui dit lavage ou tout ça, dit regraissage. Donc, la paire de gants, la pompe à graisse et cet outil indispensable. Qui vient de mon arrière-grand-père et qui m'a été transmis par mon grand-père. Bon alors, il s'en servait pas pour ça, mais moi je m'en sers pour dégager les graisseurs. Alors c'est un truc qui a, je sais pas, 80 ans peut-être. Mais c'est bien pratique avec la pointe pour appuyer sur une petite boule de graisseur, dégager les graisseurs qui sont dans des trous. Ah, parce que c'est quand même une sacrée bestiole à graisser. Là j'ai déjà utilisé deux cartouches. Ouais, c'est une pompe à graisse comme ça. Je visse les cartouches à l'intérieur. C'est super pratique. Donc j'ai utilisé deux cartouches et j'en ai pas encore assez. J'ai encore toute la rampe à faire. Donc pour vous dire tout ce qu'il y a à graisser. Bon, là on a tout ce qui est dispositif pour l'essieu directeur. Hop. Voilà. Tac, tac. En dessous également. Tout ce qui est la suspension oléopneumatique de la flèche. Il y a des graisseurs partout. Le bras de pompage. Les vérins, articulations des graisseurs, là-haut où est-ce que le bras de pompage va se ranger au transport, pareil. J'aurai encore le cardan à faire quand je vais la décrocher, parce que je vais la décrocher après pour faire le tracteur au savon. La boule, je suis en crochet boule charmuleur, ben, la boule elle est graissée aussi. Bon, je le fais très régulièrement, ça, tous les jours, mais, enfin tous les jours, selon la fréquence à laquelle je travaille. J'essaie d'en mettre le plus régulièrement possible, mais ça graisse pas super bien, donc je suis obligé de lever un peu. Même quand je suis attelé, mettre de la graisse dedans et remettre, c'est pas super top. Mais ça n'a jamais été très très bien. Donc on fait comme ça. Ensuite, niveau graissage, beaucoup de travail aussi ici. Au niveau des suspensions oléopneumatiques des essieux. Parce qu'on a deux essieux indépendants avec des suspensions, comme vous voyez là-bas, oléopneumatiques. Donc articulation de partout et graisseur de partout. Donc ça, si vous ne graissez pas, au bout de 5 ans, les trains roulants sont complètement morts, grippés. Donc prudence là-dessus. Vraiment gros graissage. Je pense que cet hiver, quand je l'aurai bien lavé, que je vais la remiser, je vais criquer aussi, roue par roue, les faire tourner et voir pour régler les freins. Serré au niveau du dispositif, ça fait des petits crans pour ceux qui connaissent, comme les essieux Kohler ou les autres essieux. On crique la roue, on fait tourner, on serre jusqu'à temps que la roue freine et on renlève quelques crans pour dire qu'elle soit libre et pas que ça chauffe. Donc réglage des freins prévu cet hiver. J'ai encore la rampe à graisser, j'ai pas terminé. Bon, elle est pas super nickel parce que je l'ai pas dépliée. J'ai vraiment dégrossi la machine pour dire que, surtout s'il vient à faire un coup de gel là où il y a des amas de terre, que ça fasse pas des points de rouille. Mais elle sera à laver entièrement au Karcher dans les semaines à venir. Ici, bah pareil sur ce côté-là, toutes les suspensions. Et puis on retourne, voilà, le bras de pompage. Et on retourne ici, voilà, vous voyez le reste du dispositif. De l'essieu directeur, donc avec l'essieu directeur à l'arrière, où est-ce qu'il y a les pivots aussi. Donc voilà, deux cartouches de graisse, il y en a tout peine assez pour tout faire. Voilà, allez, je vais continuer ça.
Et puis je vais m'occuper du tracteur. Le N, c'est pareil, il est dans un état pas possible, faut que je m'en occupe. J'ai pas eu trop le temps parce que j'avais pas mal de boulot dans les veaux, parce que je suis en fin de bande. Les moutons sont pas encore rentrés, ils sont très bien en prairie, hein. Ils sont dans les pâtures en coteaux qui se drainent bien avec de la paille et de sauce, tout va bien. Bon, on va penser quand même à les rentrer, préparer la bergerie dans les semaines à venir. Et puis bah voilà, je prépare aussi le tracteur, faut qu'il soit nickel parce que ça va être la révision de fin de garantie. Enfin, fin de garantie, la révision dès un an. Voilà, il a 850 heures, il a eu un an fin octobre ou courant octobre. Donc, bah, quand c'est comme ça, Voltron nous envoie un courrier révision fin de garantie. Donc, il faut que je le nettoie pour l'amener à la concession pour faire la révision donc de fin de garantie. Et vous verrez dans les semaines à venir, je reviendrai avec le tracteur, mais pas que. Il y aura quelque chose attelé devant et quelque chose attelé derrière. Mais ça, j'y reviendrai dans les prochaines vidéos. Allez, moi je continue et puis on verra ce qu'on fait après. Bon voilà, la tonne est décrochée. Ça, je vais pouvoir nettoyer correctement tout le tracteur, parce qu'il est quand même dans un sale état. Tout passer au produit, les jantes, à la balayette. Faire nickel, d'abord s'occuper de la cabine. Enfin, pas que j'oublie de graisser mon cardan, parce que je pouvais pas le faire tant qu'il n'était pas décroché. J'ai quand même des petits trucs qui permettent de graisser, mais c'est pas pratique du tout là-bas avec, avec la boule, avec tous les flexibles, les tuyaux qui vont. Pas pratique du tout, donc faut pas que j'oublie de le faire. C'est un cardan homocinétique, donc homocinétique ou alors vulgairement double croisillon, qui permet de tourner sans arrêter la prise de force. Ça, si c'est pas bien graissé, c'est pareil, durée de vie très très courte. Et un cardan comme ça, croyez-moi, c'est pas donné, il y en a pour 1000 euros. Donc voilà, elle va rester là. Alors ça me plaît pas bien qu'elle se soit dehors, mais peut-être que j'en reparlerai en temps voulu. Ça va peut-être changer. Elle sera peut-être à l'abri pour l'année prochaine. On croise les doigts. Ça reste des projets. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Allez, je vais m'occuper du tracteur. Et puis de laver soit cet après-midi, soit demain. Parce que, comme je l'ai dit dans la vidéo de la semaine dernière, j'ai pas mal de rendez-vous, de réunions, formations, les bêtes entre deux. Donc il y a des jours où je ne peux pas trop m'occuper à la ferme. Donc je fais tout ce qu'il y a à faire entre deux. C'est une période un peu plus calme où il n'y a pas certaines réunions, certains rendez-vous. Il faut y aller, il faut le faire, c'est la période. Petit coup d'œil là-bas. Ouais, comme il y a un rayon de soleil. Comme les brebis sont bien, sont couchées, ça pâture. Si j'ai 5 minutes cet après-midi, je vous emmènerai aller voir un petit coup. Allez, on continue. Bon, allez, on est le lendemain. Toujours mauvais temps, vous pouvez voir. Là-bas, ouais, là, voilà. On a encore pris, je sais pas, 25 mm cette nuit. On avait pris 25 la nuit d'avant, on a encore pris hier. Là, il y a encore tombé un orage ce matin. Je pense qu'en moyenne, on prend 30 mm par jour à peu près. Donc, à part de l'entretien de matériel et s'occuper des bêtes, pas grand chose d'autre à faire. Donc, on va s'occuper là, lavage. Voilà, la tonne, comme je vous ai fait voir, elle est décrochée. Lavage du T215, comme je vous l'ai dit, en vue de l'amener en révision et d'aller chercher un nouveau matériel que j'ai acheté. Voilà, pas faire les voyages à vide. Il reviendra soit avec ça, soit avec le déchaumeur de la Kumo qui était encore en réparation là-bas. S'il y a encore, il reviendra, enfin. Je ne vais pas revenir sans rien. Voilà, alors pour ça tout est prêt. La lance du Karcher. Mon pulvé avec le produit, la mousse savon. Enfin, c'est plutôt un savon. Alors le produit que j'utilise, c'est du PrimaFlash de chez Primalab. L'entreprise Primalab. Je ne sais pas s'il y a des gens de chez eux qui passent dans vos régions. Nous, il y a un gars qui passe de chez Primalab, passe à peu près une fois par an. Et donc j'y prends du PrimaFlash, je prends aussi différentes autres choses, des raticides, du savon pour les mains, savon naturel à la sciure de pain, des produits pas mal du tout, bon c'est pas donné, il me semble que ça, un bidon de 20 litres de PrimaFlash, ça va être 400 euros je crois, mais bon je fais largement une année avec, hein. Donc bon, l'entretien du matériel pour moi c'est primordial, la propreté avant tout, donc je regarde pas à mettre un petit peu d'argent dans du savon pour entretenir mon matériel. Et puis je vous dis, je fais les tracteurs plusieurs fois par an, la tonne à lisier deux fois par an au produit. Je fais quasiment tous les matériels au produit et je fais largement un an, voire plus, avec un bidon de 20 litres. Parce que ça se dose, je sais plus, c'est très peu. Hein. J'ai un petit truc doseur là. On n'en met vraiment pas beaucoup. Donc c'est plutôt top. Le pulvé aussi, ça marche super bien quand on hiverne le pulvé.
de faire la rampe avec ce produit. Tous les résidus de matière active de produit tombent facilement. Allez, je vais me dépêcher de le dégrossir, passer le produit, attendre 5 minutes et finir ça avant l'arrivée du prochain orage qui monte là-bas au-dessus de la ville. Allez, go. Allez, la mousse est posée. On va attaquer le rinçage. Enfin, la mousse, pas vraiment de la mousse, plutôt du savon. Il faut pas laisser trop longtemps parce qu'après, il y a risque d'attaquer la peinture. Donc c'est 2-3 minutes après la pause, le temps de faire le tour avec le pulvé. Et on attaque le rinçage, allez go. Bon allez, voilà. Le bahut est tout propre. Il n'y a plus qu'à. Bon, habituellement, quand je fais un lavage comme ça, moment de remiser pour l'hiver, enfin où ça va tourner moins, j'aime bien tout de suite après le lavage graisser tout entièrement pour éviter que l'eau ne rentre dans les roulements, ne rentre un peu partout, pour faire sortir l'eau. Et éviter qu'avec le gel ou de ça, ou que ça rouille ou machin. Bon, là, je vais pas le faire, simplement parce qu'à la révision, systématiquement, ils font le graissage complet du tracteur. Alors, je vais les laisser faire. Alors, pourquoi ils font ça? Pas que je veux pas le graisser, bien au contraire. Ça me dérange absolument pas. Alors, pourquoi je les laisse faire le graissage? Parce que comme ça, eux, en graissant l'intégralité du tracteur, ils mettent leur œil un petit peu partout. Dedans, au-dessus, en dessous. Ils ont quand même plus d'expérience que moi. S'il y a un truc qui cloche quelque part ou qu'ils vont remarquer quelque chose, au moins, ils le verront. Que si je graisse moi-même, et que y a quelque chose que je remarque pas, qu'à la révision on ne le voit pas non plus, ça risque de poser problème à l'avenir. Autant voir tout ce qui pourrait clocher tout de suite à la révision de fin de garantie. Donc je vais laisser faire. Je vais amener ça cet après-midi ou demain matin. Je vais voir un petit peu avec eux quand ils sont prêts à me recevoir. Et puis je vais m'attaquer au N134 qui lui est très sale aussi. Donc je vais m'occuper de ça. De toute façon, il repleut encore une fois. On en est à 100 mm là, sur une semaine à peu près. Donc pas moyen de faire grand chose. Si ce n'est peut-être préparer un peu la bergerie. Mais ça, je vais voir un petit peu plus tard. Allez, je vais remettre ça à l'abri. Bon, voilà. Encore une journée terminée. Les veaux sont faits, terminés. Je viens de nettoyer le mélangeur. Parce qu'il en avait bien besoin. Et puis vous avez vu... On a ressorti la tenue d'hiver parce que franchement, il fait pas bon. On a du gel le matin et avec le ressenti au vent, c'est pas bon du tout. Bon, on va en rester là-dessus pour cette vidéo. Moi, je suis revenu tout à l'heure avec le 215 de la concession avec donc mon outil devant, mon outil derrière. Deux engins, comme je vous avais dit au moment où je l'ai lavé. Tout est dans le hangar, mais vous en saurez plus dans une prochaine vidéo. Je vous dévoile pas tout maintenant. Je vous propose de rester là-dessus. On se retrouve la semaine prochaine. Et en attendant, je vous passe quelques images des moutons que je suis allé visiter hier en prairie, où tout va bien. Il va falloir prévoir quand même de les rentrer parce que avec le froid et j'aurais pas que les annulages débutent, malgré que c'est pas prévu tout de suite. Mais bon, peut-être qu'il peut y en avoir quelques-unes qui peuvent annuler prochainement. Donc prévoir la rentrée. Et vous allez voir sur les images que tout va bien. Allez, je vous laisse là-dessus et je vous dis à la semaine prochaine. Salut.